Chers développeurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour juste un petit rappel, précédemment, on avait vu la notion de constante function et on avait dit que cette notion nous aidait ici à créer des maquettes ou des modèles ici pour pouvoir créer des objets. OK? Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va utiliser cette même leçon qui est la notion de constante function pour démystifier ici le deuxième pilier de la programmation orientée objet qui est l'abstraction. OK? Alors, on se trouve directement sur notre Visual Studio. Dans Visual Studio, si je vais créer notre sixième leçon, ça portera sur l'abstraction. Alors, en JavaScript, évidemment. Et je vais ajouter ici un tout petit peu un commentaire ici. L'abstraction ici réside sur l'abstraction réside sur le fait de se baser sur l'essentiel et non les détails. OK? Ici, c'est se baser sur l'essentiel. OK? Et non les détails. Alors, pour cela, ici, je vais créer une fonction. OK, on va l'appeler ici l'employé. Et en constructeur, on va passer là, ses noms, l'âge, sexe et son salaire. OK. Je vais faire 10 pour lier la propriété nom avec la valeur que l'utilisateur va mettre ici dans nom. On va faire même pour l'âge. OK. On va y stocker l'âge, ici les sexes, bien évidemment. Et ici, on aura, ici pour les salaires, on va stocker ce que l'utilisateur va mettre ici, les variables salaires. OK. On aura aussi besoin d'infos employées pour afficher ces informations ici. Ça sera une méthode. OK. Ça sera une méthode liée à ces. OK. Oh, cette méthode va nous afficher premièrement les noms de l'employé. OK, c'est non ici. Oups. Les noms. C'est non. OK, on va faire ici non. Donc, on va les référencer 10.non. Je vais ici les copier ici 3 fois. OK. Je vais ici les copier 3 fois. J'ai ici l'âge. J'ai le sexe. J'ai ici aussi les salaires. OK. Alors, très rapidement, faisons l'instance de cette fonction ici. Comme l'instance numéro 1, on a notre premier employé. OK. Notre premier employé, on va lui nommer ici Daniel Cruz. OK. Et comme l'âge, on va lui donner ici 30 ans. Il est masculin et il touche 50 000 dollars les mois. Et aussi, on a notre deuxième employé ici, c'est on va le nommer ici Fiona Gallagher. OK, Fiona Gallagher ici, elle a 45 ans et c'est comme ça que c'est féminin et c'est il touche aussi 90 000 dollars. OK, alors on va faire appel à notre premier employé et on va afficher ces informations. Et évidemment, pour notre deuxième employé, on va afficher ces informations. OK? Directement, référencions notre leçon ici. C'est notre sixième leçon. OK? On va référencer notre sixième leçon. OK? Alors, je vais faire ici Open with Save parce que le serveur c'est interrompu un tout petit peu. Alors, je vais faire inspecter l'élément. OK? Et dans la partie console, qu'est-ce que ça donne? On a notre premier employé et on a notre deuxième employé. OK? Alors, d'où vient la notion ici d'encapsulation? Comment est-ce qu'on peut se baser et sur l'essentiel, mais non sur les détails? OK? On va voir quelques d'autres informations à afficher, comme les allocations que peut avoir l'employé ici. Okay? Les allocations, on a les primes des risques et autres choses qu'on peut, juste pour illustrer, c'est un exemple. Okay? Alors, ces informations ici restera privées. Seulement, restera privé et on va fournir ici l'utilisateur. Donc, on va se baser ici l'essentiel, mais non sur les détails. Donc, on aura ici une autre fonction ou une méthode qui sera aussi privée. Et alors, la méthode, c'est calculer les salaires. Alors, on va afficher ici les salaires finaux de l'utilisateur ici. Donc, les salaires finaux ici. Et les salaires finaux, on va prendre d'abord les salaires. Oups. On va prendre d'abord les salaires.
on va y ajouter ici les allocations, ok? Et on va y ajouter aussi les primes de risque, ok? Pour obtenir les salaires finaux, ok? Alors, je vais afficher ici, je vais faire appel à cette méthode ici, calculer les salaires. Et qu'est-ce que ça donne ici? Oups. Ici, on a les salaires ici et les salaires finaux, ça vient de changer, ok? Mais si l'employé vient ici et tente ici d'accéder et de s'ajouter ici les allocations, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, change. Même si on affecte ici l'utilisateur vient ici et affecte une autre allocation pour ces montants, ici, rien ne va changer. Je vais ici tenter de vous les montrer. Je vais afficher les informations pour l'employé ici. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Ça restera intact. Pourquoi? Parce que ici, on lui est seulement montrer les points essentiels. On lui a caché ici les détails. Les détails sont cachés pour lui. Donc, il ne peut pas accéder aux salaires. Il ne peut pas les fonctionner parce que cette fonction est privée. OK? Cette fonction est privée. Tout ce qu'on lui montre ici, on lui fournit c'est ça les détails ici. Donc, c'est ça les détails ici. Et on fournit ici l'essentiel ici. Ouais. Oups. Et on fournit seulement l'essentiel ici à notre très cher employé ici. Donc, il sera seulement capable à visualiser ces informations et autre chose, il ne sera pas capable à les faire. C'est ça là où intervient la notion ici de l'abstraction en orienté objet. J'ai dit merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un d'autre et moi je vous dis au prochain épisode.